Hola, étranger. Bienvenue dans ma boutique de potions. Du futur. C'est nul! Ah! Ewer? NANI?! Un pain de chien. Oui. Il est bon ce gâteau. Oui.
Bonsoir! Bonjour! Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue sur le live. Attendez, j'arrive tout de suite. Je suis tellement vieux. Comment ça? Bonsoir. Bonjour, ma Troya, j'espère que tu vas bien. Eh oui, bonjour. Bienvenue à toi. Là, toi, là, qui regarde ce live. Et bienvenue à toi aussi, là, qui regarde cette VOD. J'espère que vous allez bien, bienvenue. Welcome, willkommen, comme on dit en allemand, du coup. Ça va plutôt pas mal, ouais. Ça va plutôt pas mal. Journée un petit peu hier. Hier, journée un petit peu chaos, un petit peu, vous voyez, journée un petit peu... Là, aujourd'hui, pas mal. Aujourd'hui, je suis plutôt en forme, même très en forme. J'ai passé une très bonne journée, j'espère que vous aussi. Coucou, ka... Poucou, coupé... Oh là là, ouf. Coucou, PK. Bienvenue, PK. Ah oui, on n'a plus les sons sur les scènes buggées, là. Coucou, PK, j'espère que tu vas bien. Bienvenue. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes le 26 juillet 2023. Et le 26 juillet, dans le monde, c'est la Saint-Anne et Joachim. Saucisse! Saucisse à tous les Anne et Joachim, bien sûr. Hier, je suis arrivé niveau 41 sur D4. Magnifique. Niveau 41 sur Diablo 4. Oh là là. Pff. Diablo fort. Gospayer Vidirzi. Saucisse! Saucisse, bien sûr. Saucisse à tous ceux à qui c'est la fête. Ce soir, mesdames et messieurs, nous sommes sur du Tezo jusqu'à à peu près 22h. Nous allons ensemble jouer, discuter,
papoter en mode chill, comme on fait d'habitude et comme on aime faire sur Tezo. J'ai mis tisane, Tezo et chill, mais je me suis même pas fait ma tisane. C'est pas grave, je vais tourner à l'eau, ça sera très très bien. Ce sera très 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 bien. Que dire debout? Thé. Thé pour toi? Ah, c'est bien ça. Petit thé pour Troyana. Attendez, je sélectionne la musique. Du coup, je vois des titres qui me font rigoler. Oh! On va mettre. Putain, mais c'est la première fois que YouTube me propose des trucs bien. C'est fou. Du coup, je sais pas quoi choisir. Riz platisane, c'est ça? Non, je suis au poulet riz. Ah! Et ginger ale. D'ailleurs, faut que je partage une chanson. Vas-y, balance. Balance, on va écouter ça en 2-2. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. J'espère que vous passez une bonne semaine. Et au-delà de bien se passer, bien sûr, j'espère qu'elle se passe à votre convenance. Est-ce que ma cam est un petit peu mal cadrée? Non, ça va? J'ai l'impression que je suis bas. Ok, c'est mieux. Tété, ah t'inquiète, je pense que c'est t'inquiète. T'inquiète, t'es bien. Bien. Oh, je suis bien. Oh, je suis bien. Bon, bienvenue, hein. Encore une fois, bien sûr. Encore une fois et toujours, parce que vous êtes toujours les bienvenus et bienvenus, bien sûr. MP ou sur musique? Bah musique, si tu veux la partager dans musique sur Discord. Notre Discord, bien sûr, mesdames et messieurs. Si vous voulez rejoindre le Discord, n'hésitez pas, je vous partage le lien directement dans le chat. Et sinon, il est directement dans la bio Twitch. Silosis, ça me parle ça, Silosis. Bon, un bullet for my Valentine, chute. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ça me parle, Silosis. A sign of things to come. On react à des musiques. Par contre, ceux de la VOD, je suis désolé. Je suis désolé, mesdames et messieurs de la VOD, mais vous entendrez pas de son. Vous entendrez pas la musique. Le chant? Ok. J'aime bien. MP le deuxième, ok. La bande. La bande du fils du chanteur de Slipknot. La bande. L'anglicisme. Le groupe, du coup. The band. J'aime bien ça. Hein. Ça, c'est très sympa, ça. Je vais le sauvegarder tout de suite. J'ai dit que j'allais le... Voilà. C'est cool. JPP, bah ouais, la bande. C'est sa bande de copains.
La bande du copain, du fils, de, du chanteur de Slipknot. Corey Taylor a un fils. Ce fils a une bande de copains. Nous allons écouter leur chanson. Alors ça, j'aime bien. Silosis, j'aime bien. Alors attendez, mesdames et messieurs, je vous le partage. Tenez, hop, pour ceux qui ne sont pas sur le Discord. Voilà, je vous partage directement le lien. N'hésitez pas à cliquer, à aller voir, à aller écouter. Allez enregistrer ça dans votre playlist sur YouTube. Et ça, c'est Vended. Dead to me. Oui, Rammstein, on en a écouté au début du live. Ok. Donc c'est le chanteur, hein, le fils de Corey, c'est ça, hein? Griffin Taylor. Ah putain, mais il y a aussi Simon Crane, le fils de John Crane, qui est le clown dans Slipknot. On sortit un titre, Asylum, tatati tatata. C'est comme ça que je danse le métal, moi. Ouais, le clown. The clown. Ok. C'est sympa. Sympa. Je pense que je vais en écouter un peu plus tard. Je vais me le mettre en favori. Histoire de... d'y penser. Et il y a un collègue, il m'a parlé... Parce qu'il y a un collègue, il a été voir Muse à Lyon, et il a re-été voir Muse, le même concert, à Marseille la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il adore Muse. Et en avant-première, il y avait un groupe, c'était... One Rock quelque chose. One Ok Rock, voilà, c'est ça. One Ok Rock. C'est un groupe japonais de rock... J'ai pas écouté, donc je vais en écouter. Save Yourself. One Ok Rock, ouais. Ouais, il a carrément la... Enfin, un peu la même voix que son père. Et... J'aime beaucoup Corey Taylor, j'aime beaucoup Slipknot, et il y a quelque chose qui diffère beaucoup, mais c'est vrai qu'on est après sur les mêmes tonalités. Ok. Ils chantent bien en anglais. C'est des japonais, hein. En général, les japonais et l'anglais, c'est compliqué, hein. Mais là, ils chantent super bien en anglais. J'aime bien, c'est cool. J'aime bien. Ça me fait penser un peu à des groupes teenage, rock, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Pas mal en vrai. Avoir en écouté un petit peu plus. Voir ce que ça donne.
Ok. Ok, ok. J'aime bien. Je vais démarrer le jeu. En attendant. Pipirou para pue pue pue. Ils sont en train de voler dans une tornade pendant qu'ils chantent. Le jeu démarre. Hein. On entend. J'espère que vous entendez d'ailleurs. File d'attente, comment ça? Je prépare la musique pour tout à l'heure. Hop là. Alors, est-ce que... Comment, quoi? Le jeu, là. Est-ce que vous l'entendez, déjà? Il est où, Tezo? Tezo, 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 Tezo est là. Ok, on entend. Qu'est-ce qui se passe? Tezo est pas là. Si, si, il est là, il est là. Ok. Oui, non. Vous oui. Voulez alléger votre fardeau? Oui, je veux alléger mon fardeau. Non, je veux pas alléger mon fardeau en fait. Je veux, au contraire, récupérer des trucs qui n'ont rien à faire. Hop. Hop. Soit ancestral. Cuir pourpre. Pourpre. Par contre. Soit ancestral, est-ce qu'on en a un petit peu là? On a que ça? Ok, bon, c'est déjà bien. Taro, taro, tari. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ce soir même. On va bah, tout simplement s'occuper de notre artisanat, comme on fait tout le temps. Et... Par la suite, on continuera l'histoire, bien évidemment, tranquillement, tout en discutant. Si jamais vous voulez discuter d'un sujet en particulier, n'hésitez pas, dans le chat. Comment je suis au niveau de la monture avec... Ok, ça va. Je pensais que ça allait être plus lent que ça. Bon, ça rame, c'est normal, hein. On commence à connaître le jeu, et à connaître... Pourquoi... Enfin, on sait même pas pourquoi il est capricieux comme ça, mais... Mais on sait qu'il est capricieux, tout du moins. Salut Marcus! Comment ça va? L'astuce avec les sangles, c'est de les serrer, puis d'attendre un... À qui fait de l'opéra, exactement. Doubidou... Doubidou... Buvez de l'eau, c'est important, afin de ne pas mourir. Ce message de prévention vous est offert par la Haki Community. Ah. Ah, oui. Ah. Elle le dit aussi, alors c'est pour vous dire. Dépôt. Non? Pas du tout. Ah! Pas du tout. C'est pas ce que je voulais faire.
Moi, je veux au moins garder les trucs comme ça, là, parce que... Hein? Retrait? Dépôt? Ah, non, quoi? Dépôt? Oui? Retrait? Non. Du coup, c'est bien dépôt que je veux. Du coup, je me suis trompé, en fait. Attendez, je suis en train de m'embrouiller. Buvez de l'eau afin de ne pas mourir. Acquis 2023. Exactement. C'est exactement ça. Je vois que le message est bien passé. Pour moi, c'est la victoire, quoi. C'est un succès. Es-tu sûr que cette eau est très hygiénique ? Tout cela me plonge dans la perplexité. Tout cela me plonge dans la perplexité. Dépôt. Maintenant, dépôt, oui. Mais on veut poser des trucs bien. Ok, on s'en fout. Et est-ce qu'on a des objets de trait? Non, c'est pas des objets de trait, c'est des matériaux de style. Hop! Hop! Voilà, c'est ça que je voulais. À qui fatigué? O, B, G, Hug, Bug. Oula, disons, il n'y a pas que moi qui suis fatigué, hein. Visiblement, il y en a une qui a l'air assez crevée aujourd'hui, hein. C'est un bug pour Troyana, hein. Marcus ! Là. Ça, Marcus ? L'astuce avec le fait d'avoir des astuces, c'est toujours dire qu'on a des astuces. Marcus, ramène tes fesses. Ah ! Tu les aimes bien ? Les fesses de Marcus ? Tu veux qu'on en parle ? C'est de ça que tu veux parler, ce soir ? C'est du popotin de Marcus ? Tatitsu. Il est plat, Marcus. Ah ouais ! On va aller voir après. J'ai tué un... T'es si sûr de ça ? Soit tu mens, soit tu t'es bien informé. Dans les deux cas, ça mérite vérification. Marcus a pris le bus. DLS, quoi ? Désolé ? Ah, désolé, tu voulais dire. Ref à un jeu. J'ai pas. Ça se voit à des kilomètres. Ah ouais ! Ah ouais, t'es comme ça. Marcus ? Faut qu'on parle. Oh, attends déjà. L'astuce avec les sangles. Il paraît que t'es plat. C'est vrai ou pas? Oh putain, c'est pas plat là, c'est. Là c'est pas plat. Ça va dans l'autre sens. Désolé, hein, on regarde juste un truc. J'allais dire, il a un bon déhanché aussi, mais bon, Et quand il passe le balai, ça me fait rien, quoi. Ça pourrait me faire qu'un petit quelque chose, quoi. Ça pourrait faire des guilis dans le bas-ventre. Mais non, bouge, Marcus, bouge. Fais quelque chose avec ce balai, là. Passe le balai de façon dynamique. Déhanche-toi un petit peu, là. Allez, yappa. Allez, on y va, Marcus. Et hop, là, on bouge les mollets. On bouge les genoux. Allez, c'est parti. Ouais, non, il veut pas, hein. Il veut pas, hein. Même Miri le juge, mais ouais. C'est pas grave. Il faut pas juste le juger.
Et on peut l'accompagner, on peut, voilà, on va aller à la salle ensemble, Marcus. On va te muscler le popotin, là, on va te faire un popotin bien galbé. Voilà, on va te faire un petit programme pour tes petites fesses. Et puis après, on t'apprendra, enfin en même temps, on t'apprendra à bien te déhancher quand tu passes le balai, là. Comme ça, tu pourras passer le balai de manière sexy, et j'en suis sûr que grâce à ça, tu auras de meilleurs chiffres et de meilleurs visiteurs à ton écurie. C'est sûr. C'est sûr. Bienvenue. Vous ne trouverez pas meilleures écuries dans... Il est coincé comme un balai, ouais. C'était qui le balai? Ah, il tenait un balai, je pensais que c'était lui le balai. Moi, je voyais un balai qui tenait un balai. Je voyais un balai qui passait le balai avec un autre balai, oui. Je suis en train de me dire, mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a un balai qui passe un balai avec du balai? Alors, bon Marcus, il va falloir faire quelque chose. Qu'est-ce que je fais moi? Je prends l'oratoire alors qu'il y en a un derrière moi quoi. Marcus fait quelque chose avec ce balai. Putain. Oh mon dieu le clip. Le clip des enfers, qu'est-ce que c'est? Pas grave. On rappelle que c'est pas grave. Ah, putain, il y en a un deuxième. Mon dieu. Le balai qui tient un balai. Putain, c'est la soirée du clip. C'est ça? Allô, le chargement? Qui passe du balai. Il passe du balai. Il passe un balai avec du balai. C'est du balai. C'est un matériau. N'importe quoi, hein. N'importe quoi, hein. Ah, vous aimez bien les bêtises, hein. C'est l'heure de faire des bêtises. Merde, putain, j'ai l'impression... C'est ça de jongler entre deux jeux vidéo. C'est qu'on utilise les mêmes touches que le jeu auquel on a joué avant. Le cure-dent. Non, c'est pas un cure-dent, Marcus, parce qu'il est quand même costaud, tu vois. Mais bon, voilà, il est droit comme un piquet. Il est droit comme un piquet et... On va lui apprendre à se déhancher, quoi. À bouger ses petites hanches, à bouger son petit popotin, là. Beaucoup à faire. Maître des écuries. Maître des écuries. Si vous voulez un... Il a un balai dans le U. J'ai hâte de me détendre à l'auberge. Ah, s'il y a un balai dans le U, ça fait un W, potentiellement. Alors, non, il faut qu'on prenne les quêtes. Hein. Alors, ça va ramer, je suis désolé, c'est normal. Il y en a pas pour long, promis, j'essaye de me dépêcher. Recherche, il n'y a pas besoin, let's go, démontage. Hop. Hop. Tac. On se dépêche. La communauté attend que ça lag plus. Il passe devant et derrière lui le balai.
Oula. Je commence à avoir des images, là. J'étais pas prêt, quoi. J'étais pas prêt pour ça. Moi, je suis venu, je me suis dit, ouais, je vais faire un petit live avec la communauté, ça va être cool. Puis là, je commence à avoir des images de balais. Ouais, je préfère pas... Coucher les enfants, hein. Coucher les enfants, parce que ça peut partir à n'importe quel moment. Écoutez-moi, collectionneurs et amateurs de cartes, testez votre intelligence... SOS maltraitance de balai, exactement. SOS maltraitance de balai. Ah! Si vous aussi vous êtes un balai maltraité, n'hésitez pas à nous contacter ou... à nous contacter de la manière que vous désirez. Et nous raconter votre problème. Nous serons là pour vous écouter. SOS balai maltraité. Est-ce que vous aussi vous comptez? Putain, je suis con, j'ai décrafté les trucs que j'ai craftés. Ça va la débilité ou comment ça se passe? Alors, c'est où? C'est là. Putain, à chaque fois, je clique droit. Alors que c'est pas clic droit qu'il faut faire, c'est F. F. Sauver les balais, exactement. Hashtag balance ton Marcus. Putain, je rebondis quoi. Je rebondis sur les roches. Je me dépêche. Hein. Je me dépêche pour éviter d'avoir un lac trop. Maudit voleur de cochon. Alors. Hashtag les Marcus en PLS. Putain. Là. Bonjour madame. Bienvenue à la banque de Dagfilan. Merci, c'est gentil. Alors. Des retraits. Dépôt. Hop. Tac. Garde, je te donne tout ça. Les balais maltraités. Zut. C'est la soirée du clip, hein. J'ai l'impression. J'arrive. Hein. On va regarder ce magnifique clip. Mais avant, j'ouvre les cadeaux. Recette. Y a pas besoin, ça coche. Ok. Non! Mais non, mais c'est... Non, mais non! Oh là là... J'ai ouvert un coffre, je l'ai même pas ouvert, j'ai juste regardé la serrure. Et les gens sont en mode, ah, vous avez essayé, good wall. Merde, putain, j'ai déposé des trucs que je devais pas poser. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai déposé que je devais pas? Attendez. Je me concentre, je regarde. Bon, j'ai l'impression d'avoir déposé des trucs fondamentaux qui me permettaient de survivre. Ça va le faire. Dépôt, on est bon. Le reste, on va le vendre. Let's go. Halt ! Je veux bien oublier tout ça si vous voulez votre prime. Tiens, tout le monde allez. Sera content. Oui, prends tes sous. Très bien. Restez tranquille. D'accord. Oui. Les... L'épée...
Les PNJ, waouh. Les PNJ répètent à chaque fois, c'est chiant. Quoi ? À qui a fait une connerie ? Ouais, j'ai fait une connerie. Halt ! Il fait peur, oui. Vous êtes un balai maltraité. Hashtag vous êtes un balai maltraité. Bon, ce clip là. Qu'est-ce qu'il dit ce clip ? Il est bien ce clip. Il est parfait. En plus, il est calme avec la musique derrière et tout. C'est tout calme. Par pigeon voyageur de préférence. Oui, ça par contre. C'est une certitude. Bon, le jeu arrive. Hein. N'inquiétez pas. Ça rame de fou. Appelle-nous 08 12 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 12. L'inventaire. 73 sur... 178. On va chercher un acheteur-vendeur, tout ça, tout ça. Vous avez entendu ce qui est arrivé à Métaille la Vieille ? Vous avez entendu tout ce qui est arrivé à Métaille la Vieille. Pardon, je sais pas ce que j'ai, mais... Ce soir... Bonjour, armurière. Ok. Marseillais. Marseillais ER. C'est le verbe marseillais. Je Marseille, tu Marseille, il Marseille. Nous Marseillons, vous Marseillais. Et il Marseille, ENT bien sûr. Bien évidemment. Donc, on en était où ? Explorer la zone. Ici. Bon, on va y aller à pied. Écoutez-moi, il me Marseille, oui. Marseillons-nous. Nous Marseillons. Calmez-vous les PNJ, calmez-vous. Ça promet de grandes aventures, peut-être trop grandes. Oula, quand tu parles comme ça, Miri, ça me fait quelque chose. J'avoue. La tour dit le sang. Cette tour abandonnée. Voilà, c'est tout. Bah ouais, mais bon. Ça promet des grandes aventures. J'arrive pas à parler. Ça promet des grandes... Ça promet des grandes aventures. Peut-être trop grande. Alors, le jeu. On va où là ? En fait. On peut passer par là, on peut passer par là, on peut passer partout en fait. À qui fait peur, oui. C'est normal. Ils en ont après nous. C'est normal. Sweet and sweet sweet. Saucisse. Saucisse. Bon.
bien sûr, on va avancer tranquillement. Hein. Sans prétention aucune. On va juste tout défourailler. À chercher les boss. Par contre, je vais. J'ai vu que j'avais un poulet. J'ai un petit poulet, je veux le manger. Ah, on a buté la boss là. Genre, c'est fini. Bah, attendez, il y a un éclat céleste, non? Eh, il y a un éclat céleste. Il est sans faute de peu du trouver. Quoi? Il est sans faute de peu du trouver. Attendez, il y a un problème dans la traduction. Hein, hein? Il est sans, bon, c'est la tour d'Il est sans, c'est l'endroit. Il est sans faute de peu du trouver. Je comprends pas la phrase. C'est un truc de fou, hein. Non, c'est la traduction est mal foutue, c'est pas possible. Bon, on va continuer de chercher parce qu'il faut qu'on trouve le... Qu'on trouve l'éclat céleste, en fait. En fait. What? Ah oui, je comprends pas la phrase. Pourtant, les tournures de phrases, tout ça, j'aime bien, y'a pas de soucis, mais là... J'ai pas compris, là. Vraiment, je ne comprends pas. Bonjour, je suis à la recherche d'un éclat céleste. Ah bah il est là-bas. Faut trouver un truc. Ouais mais je... Comment ils disent déjà? Il est sans, faut de peu du trouver. Vraiment, je comprends pas. Hein. Je comprends pas la phrase. Bon, c'est pas grave, on l'a trouvé. Quoi qu'il arrive, on l'a trouvé. Ici. On va aller visiter l'autre. Il faut... Il en faut peu pour être heureux, justement. Il en faut... Peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Un manamana et de miel et de soleil. Un truc comme ça. Toute la forêt et ma maison. Et quand je soulève un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessus. Par contre, je suis parti au mauvais endroit. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Voilà, c'est ça. Et quand je soulève un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Allez, 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 allez. 5 fruits et légumes par jour. Ah. Oh, livre. Nickel. Par où? C'est là-haut? C'est ce truc-là? Non, c'est pas là, hein. Non, c'est pas là, hein. Hashtag les fourmis sous le rocher, exactement. Hashtag soutien aux balais, soutien aux fourmis, exactement, soutien à tout le monde. Ah!
It's been a long day without you, my friend. Ok, c'est là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est une autre dos. Y'a pas de quête? Non, y'a pas de quête. Bonjour, il fait tout noir. Je suis... j'ai la tête dans le mur encore. Pourquoi ça fait ça? Chelou, c'est pas la première fois que ça le fait. Hello. Bon, on va la... moi, je pense que c'est là, là. Quoique non, parce que là c'est fermé. Donc c'est peut-être là. Et si c'est fermé là, ça veut dire qu'on peut y avoir accès que par là ou par là. Donc ça doit être là qu'il y a le boss. Cuse. Cuse a été la boutite. On va aller là-haut. Ah bah il y a les classes LS là-haut. Donc on va aller là-haut. Allez, j'ai pas le temps. Pas le temps pour vos conneries. Nounours ! J'ai pas nounours. À l'attaque mon nounours ! Voilà mon nounours. Mon nounours d'amour. Bien sûr. Bah on va partir par là. Bonjour. Je ne fais que passer, vous inquiétez pas. Oui, vous êtes méchants, tout ça. On a compris, hein. Les méchants, les méchants, les méchants pour être méchants, on a compris, vous êtes des méchants de tes os. Là, c'est elle qu'on veut. Enfin, elle ou lui d'ailleurs, je sais pas. Sur le ? Plaît-il ? Non. Hop. Ok, le suivant c'est par là. Pardon. Je baillote, dis donc. Je suis méchant, mon gars. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. C'est une racaille. Les méchants de Tezo, des fois, c'est... juste, je suis méchant, quoi. Je t'attaque, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je t'attaque, c'est tout. Marée aux sorcières. Toubi doubi 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 dou. C'est là-haut ? Ça a l'air d'être sur le flanc. Un petit flanc là. Petit flanc. Petite tarte au flan, là. Bonjour, c'est ici la tarte au flan? Qu'est-ce que tu me regardes, là, wesh? Vas-y, qu'est-ce que tu me regardes, là, wesh? Mais qu'est-ce qui t'arrive, wesh? C'est beaucoup que tu me regardes, wesh. Qu'est-ce qu'elle est à l'envers? Eh oui. Eh frère. Piu exactement. Il est tellement mignon ce son, putain. Le son du piu piu, il est tellement mignon. Oh putain, c'est gras, hein. Oh putain, c'est gras. À gauche, à droite.
Il y a tout qui va être là, vous allez voir. Moi, je dis l'éclat céleste, il est par là. Et le boss, il est là. Et comment je fais pour aller là, moi? C'est bouclé, là. C'est bouché, là. Ah, mais là, peut-être. Non, je sais pas. C'est quoi qui fait ce bruit dégueu? Ah, c'est ça. Okay. Non, là, je reviens en arrière. Oui. Bonjour, zombie. J'ai pas envie de vous faire du mal. Zombie. 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 Là, il y a une Kiat. Bonjour, il y a une Kiat. Elle est là-haut. Oui, les méchants. Tout ça, hein. Allez. Voilà. Mon bébé Guar, il est tout mignon. Bonjour. Oh, l'éclat céleste. Zombie, hop, l'éclat céleste. Et ben maintenant, on va aller là-haut, hein, parce que je pense qu'il doit être là-haut. C'est par là ? C'est par là. In your head, zombie, zombie, bah, 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 bah. C'est les Goatsmen, ça, c'est pas les zombies, ça, c'est les Goatsmen. Goatsmen. C'est beau ici, là. D'accord, mais ne venez pas pleurer. Dans ta tête, zombie, zombie, Saucisse. Saucisse pour la traduction, bien sûr. Traduction très difficile à faire. C'est toi la méchante? Ah oui. Lilou, elle s'appelle! Elle s'appelle Lilou! Mais c'est trop mignon! C'est Magninou! Magninou! Donc on a l'éclat céleste, on a tout. Par contre, comment on fait pour accéder à là-bas? À ça là? Lilou, arrête de shipper là. POV, la méchante. Justice pour Lilou, exactement. Tu peux pas être méchante avec un prénom aussi mignon. Pas possible. Ouh là là, c'est la décadence. Ah mais oui, 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 c'est la décadence, oui. Ah oui, 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 hein. Fort de Veille Caveau. Comme son nom l'indique, le fort de Veille Caveau était autrefois. Ah là, pour le lore, la RAM en plus sur le PC, ça snipe les chargements et on peut pas lire. Hein. Ah, pour le lore, c'est pas fou. Qu'est-ce que quoi? Est-ce qu'il y a des endroits fermés? Non. J'ai compris Ford. Le Ford 2, c'est ça? Ouais, le Ford de Vieille Caveau. Oui, le Ford 2. Oui, Ford. Le Ford. Le Ford 2. Le... Oui, ouais, je comprends. Mais du coup, j'ai fait la quête, en fait, de l'autre, là.
Probablement de la mort. J'ai trouvé un journal, Nayan. Ok, c'est bon. Oui, oui, oui. C'est heureusement que j'ai Miri et Nounours, hein. Pour s'occuper des méchants. Hein. La nouvelle Ford Veikavo. La Ford Veikavo. Avec la Ford Veikavo, roulez où vous voulez. La route n'a plus de limite pour vous. C'était les derniers ? Vex soit loué. Justice. Justice Marcus. Le balai, les fourmis, sous le rocher et Lilou. Ah mais c'est la totalité. Ah tu te bats pour le monde là. Tu mets tout dans le même bateau. Lilou, Marcus, tout le monde. Allô les classes Est ? Bonjour, je cherche le grand méchant de ce truc. De votre endroit là. La nouvelle Ford Veikavo. Putain. Il n'y a jamais eu autant de clips à la minute. C'est là ? C'est là qu'il y a le méchant ? La nouvelle Ford Veikavo, c'est une voiture qui vous convient. Exactement. Là. Bon, alors on va se battre. Ça les dérangerait de s'enfuir ? Non mais je vous jure, ils devraient essayer de temps en temps. Exploratrice du Ford Veikavo. Ok, donc là c'est là où on entame les zones avec les quêtes. Ça va peut-être être un peu plus chiant. Par contre, il n'y avait pas une quête. J'ai vu un truc de quête. J'ai vu un truc de quête tout à l'heure là. C'est pour ça que j'ai pensé à la quête de l'autre. On va voir ça. Atteindre des haies. Allô la quête ? Putain, j'étais persuadé d'avoir vu un truc de quête. C'est fou. Ah oui ! Oui, il y en a bien. Poisson de produit Ford, exactement. Les Landes. Je devrais apporter cette note qui contient des recettes de machin aux gardes du lion qui se trouvent non loin. C'est-à-dire non loin. C'est quoi non loin ? Parce que non loin, il y a non loin et non loin. Hein. Et puis il y a Nolwenn le roi aussi. Sponso. Hashtagad. Hashtagad bien sûr. Ceci est une blague, hein. Attention, hein. Twitch, il n'y a pas de sponsor sur cette chaîne avec Ford. C'est une blague. Ne me bannissez pas parce que je fais des sponsors cachés. Parce qu'il n'y en a pas. Les blessures qu'inflige. Voilà, cadeau. Frôlement de la mort. C'est où ? Là. Commence à me faire bouillir de rage. Tu huites. Titi-tu. Allez, on est parti.
Petit tout. Petit. C'est où? C'est où? La quête, s'il vous plaît, la quête, c'est où? J'aimerais rendre ma quête afin de gagner de l'XP et des petites pièces d'or. C'est dans le trou là, peut-être bien. Allez, c'est parti, on va rendre notre petite quête là. Bonjour. Voilà, en vous souhaitant une agréable journée, au revoir la bise. Ouvrir le guide. Explorer la zone. Twitch. Les nouvelles chips Twitch. C'est où? On va se TP, hein. On s'en fout. Ah non, c'est pas vieille caveau. C'est veille caveau. Attention. Attention, c'est une voiture qui est plutôt pas mal. J'ai l'impression que t'aimes pas trop cette voiture. J'ai l'impression que tu juges un petit peu trop vite la voiture de la Veikavo. J'ai l'impression que tu juges un petit peu trop vite la Veikavo, Troyana. Mort. Vous là-bas. C'est une voiture qui marche au pet de Guar. Oula, il y a de l'orage. Il y a de l'orage. La Glénimbrie. Bam. Les richesses du donjon de... Les héros ? Non, c'est pas toi que je veux, c'est le sac. J'étais fatigué de marcher. De toute façon. Le héros de la soif. Le héros de l'humiliation. Déposer une torche ou une bougie? Une torche. Ah, il fallait déposer une bougie visiblement. Du trésor, du donjon de Drezan. C'est bon, t'es content? Donc la voiture sort de son échappement des perles? Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle raconte? Le héros de la mémoire. Tiens. Bon, c'est pas ça. Pas digne du trésor du don. J'ai pas le temps de parler. Vous n'êtes pas digne du trésor du... Vu que c'est alimenté par des pets de Guar. Mais pourquoi? Pourquoi des perles? L'huile préférée des frères. Crystal huile. Ben des pets. Des proutes. Non mais oui, bien sûr, mais je vois pas le lien entre des proutes et des perles. Oui. Bah c'est la même chose. Des perles et des paix, c'est la même chose. Mais dans quelle vie, dans quel monde on vit? On vit pas dans le même monde. Coucou mon ex-tac. Moi aussi j'aime. Repose en paix. Bah il faut croire. Si hein. Vous cherchez une idée de cadeau,
Bienvenue à toi, Extac, sur le live. La blague est valide. Ah oui, la blague est valide, bien sûr. Bien évidemment. Donc des paix et des perles, c'est la même chose. Ah, tu parles peut-être de l'expression « lâcher une perle ». Genre, j'ai lâché une perle, c'est... ça veut dire « j'ai pété », c'est ça ? Enfiler des paix. Un monde de paix. Et coucou, exactement. Coucou, mon petit cristal, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Ça fait longtemps que c'est pas vu. Bienvenue. Installe-toi confortablement. Comment il va ? Comment ils vont, tous, là ? Pourquoi je peux pas... Bien, bien, et toi, le BG ? Tu parles à qui ? Bah, depuis le temps, tu devrais savoir traduire le Troyana. Alors, oui, je sais traduire le Troyana. Mais bon, j'ai encore des lacunes, tu sais, je suis pas... ma langue native, c'est pas le Troyanien, hein. C'est pas ma langue maternelle, hein. C'est ma LV1 au lycée, mais c'est pas... Chez moi, on dit couler un bronze. Alors non, couler un bronze, ça veut dire faire caca, hein. Ça veut pas dire... Ça veut pas dire faire lâcher un paix, hein. Couler un bronze, hein. Attention, hein. Si tu me dis là, j'ai coulé un bronze... Et sinon, ça va très bien, merci, Crystal. Désolé, j'ai juste un niveau B2 en Troyana. Ouais. Je peux vous traduire du Troyana, y a pas de souci, hein, mais. Mais des fois, voilà. Y a quelques expressions, quelques petits trucs qui. Voilà, qui sont propres à la culture du troyanisme. Et des fois, je vous avoue que j'ai quelques lacunes, mais bon, en général, je me débrouille bien. Vous êtes la première à venir ici depuis des siècles. Oubliez, vous avez rien vu. De quoi tu parles ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je suis venu, j'ai vu, j'ai pas comprendu. Je suis venu, j'ai vu, rien compris. Je suis tombé dans un VS blague douteuse. Oui. Oui. Je comprends. Ah oui, mais c'est... C'est la magie, hein, c'est ça, hein. Ici, de toute façon, vous pouvez pas tomber... vous pouvez que tomber à des moments où c'est gênant ou... ou alors blague douteuse, quoi. Je vous rappelle que vous êtes quand même sur la chaîne d'Akirachab. C'est fini ? Allez, let's go ! On en a 21 à faire, on est à 10. Tweety tweety tweet. Tweety tweety tweet. Ah ! Merci beaucoup. Merci beaucoup à un utilisateur anonyme, madame ou monsieur l'utilisateur anonyme. Merci énormément pour ton abonnement offert à Le Grimoire Bot. Merci énormément. Quelque chose. Vous êtes nombreux à offrir des abonnements à des bots sur cette chaîne. Et sachez une chose, la chaîne Akirachab vous remercie. Et les bots aussi, même s'ils ne peuvent pas parler. Identifiez-vous. Merci beaucoup. La Glenumbry. Non, moi ce que je veux, c'est ça. Voilà.
Merci beaucoup en tout cas. Merci énormément. Bah merci de la part de mon bot, bah oui. Message du bot, Simer le sang. Eh, hey, Emre, Simer le sang. Oh, pour l'abonnement, mais offert, c'est Emre, merci, eh. Je suis un peu... Je crois qu'il a, exactement dit ça. J'ai ah besoin que quelqu'un se faufile pour porter la détresse. Merci beaucoup, Crystal. Merci énormément. Merci pour l'abonnement offert. Vous êtes des malades, hein. Qu'est-ce qui vous arrive en ce moment, là? Vous êtes adorables, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci beaucoup, Crystal, pour ton abonnement offert. Offert à Pekafreeze. Pekafreeze qui devient officiellement une abonnée sur la chaîne. Félicitations à PK. Et utilise bien ton abonnement comme il se doit. Oh, il faut dire Simer le sang. Et là, pas un bot dit. Effectivement, là, ce n'est pas un bot. Oh ! On peut se costumer. Enflammez-moi ça ! Enflammez-moi ça ! Déguisement de Freux écarlate. Oh là là, mais on dirait un Freux écarlate. Puits de cœur, bien sûr, dans le chat. Pour souhaiter la bienvenue à Pekafreeze en tant qu'abonné. Et pour remercier, bien évidemment, Crystal pour son abonnement offert. Merci beaucoup. La détresse du loup. Utilisez les déguisements pour passer inaperçu. Vous allez me repérer, vous, ou pas? Non. Je crois qu'il y avait un bouquin. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est abîmé mon costume, je peux plus l'utiliser ou pas? Oh. Oh. Oh mon collier. Oh bah non mon collier. Ah. Ce qu'on la référence du collier. Info random. J'ai découvert un jeu Frostpunk. Je le trouve sympa. Frostpunk, ça me parle, Frostpunk. Il y a une amie qui m'a partagé... Ah mais c'est les pièges. Ok, il y a des pièges en fait. Il y a une amie qui m'a partagé un jeu. J'ai regardé. Il a l'air trop bien, vraiment. C'est Paleo Pines. C'est un jeu de gestion où vous gérez une genre de petite ferme et vous pouvez dompter des dinosaures afin de vous en servir pour en tant que dinosaure de trait, dinosaure de labourage, tout ça, tout ça. Oh, il a l'air trop bien. Et en plus, les dinos, ils sont trop cute et tout. Ils sont, leur design, il est trop mignon. Ils sont trop mignons. Mais j'avais pourtant mis un cadenas. Oui, non. Elle dit cadenas ? Affaire à qui ? Ah bah oui, il est affaire, de fou. Il est affaire complètement. N'ayez crainte, ma colombe. Je vous montrerai... Attendez, je vais vous montrer. Bandit, ne me revenez pas blessé. Je vais vous libérer en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, mon amour. Attendez. Attendez. Paleo Pines. Ah, c'est vraiment, c'est trop cute, hein. Vous allez voir, c'est... C'est un truc de fou. C'est trop chaud.
Il a l'air d'avoir un petit village et tout. Avec des PNJ. Mais il a l'air trop chou. En fait, le truc de ce jeu, c'est que ça a l'air d'être un jeu chill et avec des dinos et quoi. Ça a l'air trop bien. Donc j'ai trop envie de le tester. On le testera. Hein. On le testera. Il est trop mignon. Ah, il est trop mignon. Arc avec un K, du coup, PK. Par contre, t'as jamais de répit. Ah ouais, t'as jamais de répit sur ton jeu là ? Frostpunk ? Putain, Frostpunk, ça me parle. Attendez, faut que je regarde sur internet. Sur le internet. Oui, ça me parle. Oui, ça me parle. J'ai déjà vu, je crois, des trailers là-dessus. Je crois, ouais. Je crois bien que le côté carnassier, on oublie avec Stack. Il sort quand ? Alors, il est... Paleo Pines, il est... il était en démo. Accessible. Et la date de parution, la date officielle, c'est le 26 septembre. Mais on peut jouer à la démo quand même. Et une démo jouable. Bah, ça a l'air d'être un mélange d'Animal Crossing, de Stardew Valley aussi. Avec un village à côté, avec des gens qui y habitent et tout. On a l'air de pouvoir progresser avec, avec les gens. Au niveau du social et tout. Tu peux essayer la démo. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, en vrai. Qu'est-ce que quoi ? Fume désorganisé. Faut pas trop attendre. Ah. Je crois qu'il y avait une date de fin. Merde, putain, je suis con. Je crois qu'il y avait une date de fin pour la démo, mais elle a l'air d'être encore... encore d'actu. Bon, les gens, je vais devoir vous quitter. Donc, à demain, je crois. Des bisous. Des bisous, PK. Merci beaucoup d'avoir été présente sur le live. Et on se dit à très vite. Et peut-être à demain, si tu es là, bien sûr. Mesdames et messieurs, demain, on est ensemble pour un live Just Chatting. Donc si jamais vous êtes par là, on va discuter. Alors je sais pas de quoi encore, mais on va papoter. Et en même temps, on va construire ce magnifique petit salamèche, regardez. Petite activité manuelle, on va construire ce petit salamèche qui nous a été offert par Did. Un des followers du chart, du live. Donc en même temps, on va discuter. Bonne nuit, PK. Des bisous. Et fais de doux rêves. Mais il est cute. Oui, il est trop cute. Ça va pas ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Pogo ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pogo, il est dans un carton, là. Il a eu peur d'un bout de papier, je crois. Il s'est réveillé en sursaut. Il a la tête dans le cul. Mon bébé, bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a The Witcher aussi demain, oui, c'est vrai.
Demain, le 27, il y a The Witcher. Et ceux qui jouent à Pokémon Go, parce que je joue un peu à Pokémon Go. On s'est remis à Pokémon Go avec BPixel. Et à partir de demain, il y a la saison des dinos fossiles. Donc, il y aura plein de dinosaures fossiles de partout. On pourra en choper, on pourra en faire éclore et tout. Oh, il y a un livre. Let's go. Donc, qui dit Pokémon fossile, dit dinosaure. Hein. Ha, Pokémon dino. Trop bien. Donc ouais, notre petit Salamèche, il est trop cute. Did, il m'a croisé la dernière fois. Parce qu'on travaille ensemble. Hein. Et il me dit à un moment... il y a quelques semaines de ça, il me dit « Putain, à chaque fois que je suis chez moi, il y a un truc que j'ai envie de te donner. Mais à chaque fois, j'oublie. À chaque fois, quand je pars de la maison, j'oublie. » Et du coup, bah, j'ai... Je l'ai comment ? Merde, putain, j'ai plus mon déguisement. Et du coup, un jour, il y a pensé. Il me l'a ramené. Et il me dit, tiens, voilà, c'est un petit dino, c'est un petit Salamèche et tout. Je fais, putain, trop mignon. Ah non, il joue à Pokémon, quoi. Bah, à Pokémon, on... Merde. Pokémon Go, on y jouait au tout début où c'était sorti. Et on avait beaucoup aimé avec BPixel. Parce que, bah, Pokémon, on aime bien, voilà. On aime bien, bon, les nouvelles générations... Voilà, c'est ce que c'est. Bon, hein. Mais, c'est rigolo, on aime bien. Le fait de pouvoir bouger, tout en capturant des petits Pokémon et tout. Putain, mais je passe dans tous les pièges et je crève. Et du coup, moi, je suis clairement de la première génération Pokémon, tu vois. La première. Donc c'est quelque chose qui me parle. Après, les générations d'après... Voilà, c'est pas ma génération. On a chacun ses ancrages, hein, bien évidemment. Mais le jeu Pokémon Go est cool. Le principe de sortir son portable et d'aller se promener. Plus on marche de kilomètres, plus ça nous aide à faire éclore des œufs et à avoir des nouveaux Pokémon et tout, remplir le Pokédex, tout ça, c'est... C'est quelque chose que j'aime bien. Et avec BPixel, on prend le portable des fois, on prend les portables, puis on va se balader, chasser des petits Pokémon dans la nature. C'est trop bien. À mon époque, c'était les petits chevaux avec mamie. Toi, t'as vraiment eu de la chance. Bah, oui et non, parce que moi aussi, c'était les petits chevaux avec ma maman, je me souviens, quand j'étais petit. Les petits chevaux, le jeu de loi et tout. On jouait beaucoup. Mais c'est pas parce que j'ai eu cette génération là qu'à côté je ne jouais pas aux jeux de société avec les parents, tu vois, par exemple, ou les amis. Respect. Ah, je me souviens quand j'étais petit, je jouais aux petits chevaux avec ma mère. J'aimais bien ce qu'il fait. J'ai pensé que ce sont de cornes. Bravo. Je sais pas ce qu'il y a comme Pokémon sur Pokémon Go là où je suis. Bah, normalement c'est partout pareil, sauf qu'il y a des exclusivités selon les pays et tout. Par exemple, qu'un artichaut, on peut choper qu'en Asie. Par exemple. Monsieur Mime, on peut le choper qu'en Europe. Il y en a plein comme ça. Le capturer dans la nature, je parle. Après, on peut se l'échanger et tout. Putain, mais qu'est-ce qui m'a tué d'un coup ? Ah, c'est un piège ? Ah, merde. Moi, c'était God of War à la récré. Moi j'étais Kratos et les autres, bah les autres. Oh bordel. Oh le bordel. Moi je me souviens quand j'étais tout petit, je jouais aux dinosaures avec mes copains. Mais genre quand j'étais petit, hein. Je me revois encore jouer aux dinosaures avec les copains.
Eh, moi, je fais le vélociraptor, il a trois doigts. Et puis après, on courait de partout dans la cour de récré. On se courait après et tout. On se roulait dans le bac à sable. C'était trop rigolo. On savait s'amuser, hein. Moi, j'ai plus de souvenirs quand j'étais à l'école de jeux physiques comme ça, où on jouait aux dinosaures, où on jouait à des trucs comme ça, plutôt que de jouer aux cartes Pokémon ou ce genre de choses, tu vois. Alors qu'il y avait les Pokémon, hein. Oui. Je me souviens qu'on jouait aux JoJo's. Est-ce que vous avez connu les JoJo's ? Les cartes, ça n'a jamais été mon truc. Bah moi, les cartes, j'aimais bien, mais c'était pour le physique en fait. Le joli dessin, la carte qui est classe, un personnage préféré, tu vois, ce genre de choses. Mais ça n'a jamais été pour jouer. Sauf maintenant avec les cartes Magic, qu'on aime bien avec Baby Pixel. Mais quand j'étais gamin, c'était pour... parce que celle-là, elle est belle, je la prends, quoi. Un bail. Fouillez les ruines. Main dans la main, nous nous sommes glissés dans les jardins de nos sensations. Ah, quand j'étais gosse, quand j'étais au collège, j'avais des cartes Magix, mais j'ai jamais appris à jouer. Enfin, là maintenant, oui, je sais jouer, mais avant, je savais pas. Et j'avais plein de cartes Magix à la maison, enfin plein, on s'entend, hein. J'en avais quelques-unes, parce qu'elles étaient belles. Mais qu'est-ce que c'est ? C'était même pas parce que je savais jouer, parce qu'elles étaient fortes, ou que c'est juste qu'elles étaient belles. Je les trouvais belles, alors je les gardais. Je ne me suis jamais battu autant avant de vous rencontrer. Et un jour, je suis retombé dessus avec Baby Pixel. Et j'ai dit, allez viens, on s'attarde un petit peu sur les Magix, on apprend à jouer vraiment, quoi. Moi au collège, c'était Street Fighter. Ah tu vois, j'étais pas trop Street Fighter. Moi. Street Fighter, alors je jouais un peu à Mortal Kombat, mais parce que je trouvais ça rigolo. Mais un peu quoi. Je n'ai pas volé votre collier, vraiment madame. Un peu. Je le jure, votre fils me l'a donné. J'avais eu la démo, j'avais eu le jeu, je sais plus comment. Silence. Et j'y jouais de temps en temps, mais c'était pas fou. À une simple servante. Non mais IRL, ah. J'ignore ce qui est pire. Vos mensonges ou le vol. Maurice, je t'en prie. Ouais, Mortal Kombat IRL aussi, ouais. Tant que nous avons passé avec ensemble, les finishes et tout quoi. Pourquoi ne dis-tu rien ? Je suis sûr qu'elle ne voulait pas le voler. Elle a travaillé effroyablement dur. Peut-être que l'épuisement... Assez ! Je suis lasse de ses excuses. Donne-lui le fouet, puis enferme-la dans la tour. Donne-lui le fouet. Et puis enferme-la dans la tour. Par contre, en vrai, Tekken. Bah, ouais. Après, moi, les jeux de combat, ça a jamais été trop mon truc. J'y ai joué, tu vois. J'ai joué à Street Fighter, j'ai joué à Tekken, j'ai joué à Soul Calibur, j'ai joué à Mortal Kombat. Mais je suis pas un fan. Oh, je trouve ça rigolo, quoi. Là, demain, il y a des potes qui m'invitent, on se fait une soirée Street Fighter. Bah, je suis chaud, ouais. Mais je connais pas grand-chose, quoi. C'est lequel que j'ai ? C'est... J'en avais acheté un sur Steam. Je crois que c'est Street Fighter. Parce qu'il y avait des madames jolies dedans. Il vous suffit de... Il devait être en promo avec des madames jolies, du coup j'ai fait « Ah vas-y, je vais le prendre. » C'est bon ? Ah non, c'est pas bon. Trouver nanani nana. Elle est où nanani nana là ? Mais en fait c'est pas du... Hein ? Quoi ? La quête là-bas, elle est où ? Attendez. Oup, là-bas, ok. Ensuite... Et ça, l'héritage de machin.
là. Renseignez-vous sur le livre. Attendez. On va aller voir, mais... Moi, je suis un peu comme Miguel dans les As de la Jungle. Miguel. What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? Les As de la Jungle? Les As de la Jungle à la rescousse. Ok, 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 ok. Ok, je vois le truc. Je sais plus si je l'ai vu. On l'a vu ça? Non, je l'ai pas vu. J'ai pas vu ce film. Et Miguel, c'est qui? C'est quel personnage, Miguel? Ah là. Maurice Miguel. Miguel. Miguel, c'est le gorille. Tapez, tapez, quoi. C'est pas lui où il y a un truc où il fait taper, taper, un truc comme ça? Ça me parle un mème ou quelque chose qui tourne sur lui avec où il fait taper, taper, taper. Je sais pas, ça m'est venu d'un coup le taper, je sais pas pourquoi. Naturellement. Si c'est ça, ouais, ok, d'accord. Des marchandises de la meilleure qualité. Miguel. En voilà des pensées idiotes. Tout ça pour vendre plus de livres. Vous ne vous... Merde. Je me sens... Merde. Tiboudi, Tibouda, Talitapwepweloupwi. Là, c'est des quêtes, ça, non? Trouver machine. Non, moi, je veux pas trouver machine, moi. Je veux ça. C'est là, là? Enterrer les objets, ok. J'adore le papillon sur ta... Oh! Ouais. Quand t'es en grand, tout de suite, tu t'en vas, hein. Petit fifrelin, là. Trop marrant. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il me dit? Comment ça, le papillon sur ma cam? La mine de Temond. Cette mine des faubourgs de Dagfilante, autrefois. Je vais kidnapper un café. Eh ben, bon kidnapping de café, alors. Pas celui le bonjour de ma part. Terre meuble. Suivez un esprit éthéré. Ok. Ok. Hop là. Quel est cet endroit? Non. Briser la malédiction.
ou dites machin truc. Tiroulou, 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 tiroulou. Le papillon, il est rentré dans mon ring light. Je savais même pas qu'il y avait un trou. Du coup, il fait le tour. Il fait tout le tour du ring light. Je peux pas vous montrer ça, c'est dommage. Ah non, c'est une mouche. J'étais fatiguée de marcher de toute façon. Être coincé un moment, hein. Si tu sais rentrer que tu sais pas sortir. C'est bon ? Il faut le tuer ou comment ça se passe ? Mais je tue moi. Non ! Non, je ne me suis pas inquiété. Et le marché est rompu. Pour une fois. Pour une fois qu'il y avait un méchant qui m'attaquait pas. Un méchant ne m'attaquait pas, je l'attaque. Vous rappelez-vous, je suis entré. Nos chances de survie ne sont pas au beau fixe. Ok. Je crois que je me nomme Stéphane. Stéphane ? Bah salut Stéphane. Stéphane ! Hey you Stéphane ! Stéphane ! Stéphane ! Alors, suivant. Il est quelle heure ? Il est 21h48 déjà ? On va pas tarder à se laisser les amis. Hein. Il me faut une quête par ici, s'il vous plaît. Oh putain. Ah, il y a un éclat CS là-haut. T'en choper les classes célestes. Non, pas Miri. Je veux les classes célestes. C'est bon ou pas ? Oui. Ok, là il y a un world boss, on va essayer de le choper. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui le fait. Ou pas. Oh putain. Eh, hey, vous. Toute question sur. Vous allez m'aider à trouver. Certains d'entre. Est-ce que c'est là-haut ? Non ! Oh, ils viennent de le finir. Bon, il a l'air de pop assez récemment, non ? Assez souvent, je veux dire. Putain, j'y crois pas ! Bon, attends un petit peu, qu'il repop. Je sais pas dans combien de temps il va popper, mais.
longtemps qu'on n'a pas vu son visage. Elle est belle notre petite elfette quand même. Petite elfette noire. Par contre le temps que ça pop en vrai... Est-ce qu'on n'aura pas mieux fait d'aller ailleurs? Est-ce qu'on a fait toutes les encres? Oui. Et voir le boss, il nous en reste 5 à faire. Super, je joue de la batterie, je joue du tambour et y a tout le monde qui se barre. Je prends un peu mal, hein. Bon, on ambiance, hein. On ambiance le temps que le World Boss arrive. Petite danse exotique. En compagnie du tambourin. Oh, il fait dodo, mon bébé Guar. Si, bébé. SOS maltraitance café. Celle des Altmer. Ah! C'est quoi, c'est une danse sexy? C'est pas celle des... Celle que j'avais, celle-là? Que tu parles peut-être? Ok.
Le twerk des orques, quoi? Qu'est-ce que... Hein? On joue pas au même jeu. Ouais, c'est celle-là, ouais. On joue pas au même jeu, je crois, hein. Go. La danse twerk des orques. Ah, le twerk des pieds, quoi. Est-ce qu'on est bon? Attendez. Oui, on est bon. On va se laisser, les amis. Pas tarder. Il est quelle heure? Il est 22h dans 4 minutes. Ouais, le danse orc, ouais, c'est le... On dirait un peu une danse irlandaise. Ça fait un petit peu de danse irlandaise, c'est cool. Hop, hop. On met de la musique quand même. Bon, mesdames et messieurs, il fait peur. Wusong. Ah, vous voulez la Wusong? Allez, je vous prépare ça. Ça fait longtemps, ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait longtemps. Ça va faire du bien d'avoir un peu de Wusong. Sur la fin. Le temps de se dire au revoir, après je vous mets la Wusong. Mesdames et messieurs, on va se laisser navré, mais moi je vais aller me coucher. On se laisse, mais pour mieux se retrouver demain. Demain soir, mesdames et messieurs. Demain soir, on est en live just chatting et on discute tout en construisant cette magnifique petite figurine de Salamèche. Voilà, petits travaux manuels demain. On va le faire tranquillement en discutant. Voilà. Il n'y en a pas pour long, mais voilà, ça va être cool. Merci beaucoup d'avoir été présente et présent sur ce live. Merci encore à Crystal pour son abonnement offert à Pekafreeze et encore à ce cadeau anonyme d'une personne anonyme offert à le bot du grimoire, le grimoire bot. Merci beaucoup, merci énormément, vous êtes adorables. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite bien évidemment une agréable nuit, une agréable journée demain. Portez-vous bien. Soyez chaque jour, bien évidemment, la meilleure version de vous-même, parce que vous méritez des tartines d'amour dans votre petite face. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt dans la vie. Restez pour le Wusong, juste après celle-ci, qu'on va lancer en même temps, là. Attendez. Bam. Mesdames et messieurs, je vous laisse. Portez-vous bien. Soyez chaque jour la meilleure version de vous-même. On se dit à bientôt dans la vie. C'était Aki. Des bisous. Oh, sans déconner, la bise. Au secours! NANI?
Comme ça, ça me fait bander. Ah! Oh mon Dieu! Les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme! Alerte à la cochonne!